Synonyme de convivialité, de partage et de fête. Mais la bière est aujourd'hui aussi une affaire de goût, de qualité et de savoir-faire. Nous avons la chance ici d'avoir deux brasseries renommées. La brasserie Castelin à Bénifontaine, qui produit la célèbre Ch'ti, et la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette, où je me trouve et où je vais rencontrer Vincent, qui va nous raconter l'histoire de famille et tous les secrets cachés derrière la page 24. Aujourd'hui, je vous invite à relâcher la pression en toute simplicité. On y va. Merci Vincent de nous accueillir chez vous. Merci de vous intéresser à nous. Bon, avec plaisir, il y a tellement d'histoires à raconter. Dites-nous un peu comment vous avez créé cette brasserie, cette belle histoire de brasserie, c'est quoi? Alors, la brasserie a 16 ans. Au départ, je suis charcutier sur le secteur de Lens. En étant dans la rue René Lanois à l'époque, la maison Sabatier, le McEvans était juste à côté. C'était le début du McEvans, ah ouais. Fin des années 80. Ça n'aurait jamais pas ça. Non, voilà. Mon salaire d'apprentissage partait au McEvans. Les sous-bocs, les verres, commençais à collectionner. Et puis après, je commençais à m'intéresser un peu à la fabrication et tout. Je me suis retrouvé, en fait, après le service militaire, à rentrer dans la restauration. Mais je voulais rentrer dans un restaurant comme serveur. Et il s'est trouvé que, en fait, c'était les patrons du McEvans qui avaient vendu le temps que j'étais à l'armée. Pas parce que j'y étais plus. et puis, en fait, ils m'ont embauché. Je les ai rejoints. En 2000, on change la salle de brassage, devenue trop petite. On fait appel à la brasserie Castelin, bière du Ch'ti. Mm-hmm. Et de là, en fait, j'ai rencontré Hervé, mon associé d'aujourd'hui, qui était à l'école Lissa. Et voilà, on s'était dit, tiens, un jour, peut-être on fera une brasserie ensemble. Et puis, un jour, changement à l'Omnia. Ça fait 5 ans que je suis là. Qu'est-ce que je fais? Si je veux faire quelque chose, c'est maintenant. Et puis, j'en discute en famille, tout. Puis mon frère, il me dit, mais moi, j'ai un avec toi. Et de là, on dit, mais tiens, on va appeler Hervé. Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc à trois. Puis c'est parti comme ça. Et on a commencé à brasser ici le 3 avril, le jour de l'anniversaire d'Hervé, 2003. Voilà, tout était fait exprès, à croire. Puis aujourd'hui, l'aventure continue et on est en train d'écrire une nouvelle page avec les investissements qu'on est en train de refaire aujourd'hui. C'est une histoire de rencontre, une histoire de famille aussi. Une histoire de conviction. Conviction, oui, forte. Parce que finalement, il y a 16 ans, aujourd'hui, la bière, on sait ce que c'est. Il y a un vrai engouement autour de la qualité. On a vraiment le blason aussi. Est redoré. Voilà. Oui, c'est ça. Le Loup-Blanc des Flandres. En 97, quand je commence comme brasseur, on doit être moins de 100 brasseries, toutes tailles confondues, industrielles et artisanales, sur tout le territoire français. Aujourd'hui, on est, d'après les chiffres, à peu près 1500. Les houblonniers étaient 10 il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont plus que 7, mais 7 vraiment passionnés. On commence à revoir un petit peu des plantations. C'est très long. Ils ont connu des crises, donc il faut se mettre aussi à leur place. Mais nous, par exemple, c'était un engagement fort d'il y a déjà 16 ans de travailler avec l'agriculture locale au maximum qu'on pouvait, ou aussi la transformation, parce que c'est bien d'avoir l'agriculture locale, mais c'est transformé à 800 km d'ici, ça ne nous intéressait pas. Et alors, donc ici, cette brasserie, elle se visite? Elle se visite, donc en groupe. Ouais. Donc là, on a embauché carrément quelqu'un pour un ça. Un guide. Voilà, qui donne aussi un peu de son temps pour le magasin. Donc c'est Michel qui va faire des groupes l'après-midi, de préférence, c'est mieux que le matin. Et en même temps, le samedi, à 10h précises, 14h30 précises et 16h précises, même si vous êtes une seule personne, on fait la visite. Voilà. D'accord. Le tout, c'est de téléphoner dans la semaine, parce que des fois, il peut y avoir tellement de monde sur le créneau du matin ou d'après-midi qu'on essaye de redispatcher, parce qu'on essaye toujours que ça soit assez sympathique. Mais le tout, c'est que la visite démarre à l'heure précise, 10h, 14h30, 16h. Voilà. Donc mais même un peu comme la bière, c'est quelque chose de précis finalement. Ah, il faut c'est que ça soit précis. Ouais. Il y a une part, mais en même temps, il faut que ça soit carré. En tout cas, chez vous, c'est comme ça. Et alors, pourquoi la page 24? On vous le demande tout le temps, non? Ouais, encore maintenant. En salon. Et des fois, en fait, les gens viennent nous voir avec des versions qu'on connaissait pas. Donc, c'est bien. Ça, ouais, c'est étonnant. Ça évolue. Alors, quelle est la version officielle? On a fait un gros brainstorming dans le bureau.
Et le 24 en fait apparaissait partout sur le tableau, et le nombre de kilos de malt à l'hecto, nombre de degrés de température de fermentation, nombre de jours de garde, etc., etc. Et en même temps, il y avait le livre de Hildegard Bingen qu'on avait mis au mur et tout, et il manquait des pages dans ce livre. Et comme nous, dans le process, tout tourne autour du chiffre 24, on est resté en fait sur la page 24 du livre. Voilà. D'accord. Et les France Télécom à l'époque, on avait demandé le chiffre 24 à la fin. Ce qui est plutôt assez sympa. Notre indicatif départemental, c'est 0,321. Donc, ça fait 24. 72, 3 fois 24. 24, 24. Voilà. Il n'y a qu'à l'euro million, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'un jour, ça marchera. Ah, bon, on croise les doigts pour vous. Voilà. Et le 24, en fait, naturellement, vient un petit peu partout. Par contre, Brasserie Saint-Germain, qui est l'entité de la brasserie, c'est dû au fait au saint patron de la commune. Voilà. Rien à voir avec le PSG, le foot et tout. Même si des fois, on ne comprend pas toujours. Mais, les gens me disent, mais vous êtes de Saint-Germain en quoi? Mais non. Ça n'a rien à voir. Aix-Moulette et Saint-Germain, c'est notre patron. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup, Vincent. On vous souhaite encore au moins 24 années de réussite. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Et puis on va aller se boire une petite mousse quand même. On y va. Allez. Allez, go. Bonjour Romuald. Bonjour France. Santé. Santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien. Donc toi, tu es un grand habitué de nos apéros bière fromage. Tu viens presque tous les mois. Pratiquement, oui. J'ai fait le premier et j'en ai fait, oui, ça doit être mon 7e ou 8e, je pense, moins, à mon avis. Oui. Du coup, tu as goûté toutes les bières ou presque qu'on a pu faire déguster. Tout à fait. D'accord. Tu as des préférences? Alors moi, je suis plutôt sur les bières un peu fruitées et rondes. Je suis pas trop IPA ou trop d'amertume. Je suis moins fan. Et puis avec modération, toujours. Toujours, toujours. Très important. Et donc, toi, Romuald, au-delà d'être professeur de, comment on dit, EPS ? EPS, on dit, tout à fait. Au-delà d'être professeur d'EPS, donc tu es quand même quelqu'un plutôt en bonne santé et tout ça, tu es quand J'espère. Même aussi un bon vivant. Ah oui, 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 un épicurien, c'est très important. Et donc, tu es propriétaire avec ton épouse d'un gîte dans le centre-ville de Lens. Oui. Qui s'appelle ? Alors, il s'appelle Alice et Marie au Pays du Louvre. On l'a ouvert il y a presque 5 ans. On a bientôt fêté nos 5 ans. On était un des premiers appartements de tourisme à Lens à l'époque. Et donc, on l'a appelé Alice et Marie parce que c'est en hommage à nos grands-mères. C'est mignon. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve plein d'objets qui nous rappellent aussi notre enfance. Voilà, il y a un télécran, il y a un Casimir sous une boule à facettes dans les toilettes. Pour le coup, le télécran, il tombe jamais en panne de batterie, c'était l'iPad. Voilà, voilà. Et du coup, les enfants qui viennent dans notre... parce que c'est vraiment un appartement fait pour les familles. Et du coup, les enfants redécouvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas. Avec leurs parents. Voilà, des 45 tours. On a mis des 45 tours et des 33 tours. Donc ça, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne avec le saphir. Bon, voilà. D'accord. Et toi, tu as quand même ce sens de l'accueil qui est quand même assez... Disons que je pense qu'on est dans une région où on a vraiment déjà à la base ce sens de l'accueil. Et puis c'est vrai qu'avec mon épouse, on voyage beaucoup et on trouve ça très important d'être bien accueilli. Et donc on reçoit des touristes et la moindre des choses, c'est leur faire connaître notre région et tout de suite bien les accueillir comme il faut. Quoi. Donc, y compris avec les papilles, parce que je pense que dans le frigo, il y a toujours... Toujours dans le frigo, il y a une bière et puis il y a une confiture maison. Après, il y a des spéculoos, il y a des petits chocolats, voilà. Et la bière, c'est une bière d'ici. C'est une bière d'ici, c'est forcément, ouais. Donc la ch'ti, soit une page 24, ouais. C'est l'une ou l'autre, de toute façon, obligatoirement, comme ça, on leur donne peut-être envie d'aller visiter. Oui, parce que les deux brasseries se visitent. Tout à fait. Et du coup, c'est aussi l'occasion de déguster finalement. Exactement. En contact avec le territoire autrement que en le visitant simplement. Mais, voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on a visité aussi les deux brasseries parce que justement, nous, on essaie de faire toutes les visites, toutes les expos du Louvre pour pouvoir un petit peu en parler. À nos touristes. Super. Bon, on va pas trop tarder parce que sinon il n'y aura plus de fromage. C'est vrai, et c'est souvent des bons fromages aussi. Et il va falloir qu'on se dépêche avant qu'il n'y en ait plus parce que là ils sont en train d'attaquer. Je suis plutôt fromage. Oui, oui. Donc on va pas tarder à aller se jeter sur le plateau. Ça marche. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci encore. Salut. Salut. Ainsi s'achève notre apéro bière fromage à la médiathèque estaminée de Grenay.
Si vous aussi, vous souhaitez passer un moment convivial autour des produits de notre terroir, des bières et des fromages fabriqués dans la région, nous vous donnons rendez-vous le dernier vendredi du mois pour nos apéros bières fromages. Le lieu change à chaque fois, mais réservez vite, les rendez-vous sont très prisés. Et si vous nous loupez, rendez-vous le 25 mai pour le Lens-Liévin Beer Tour. On monte dans un bus, on fait la tournée des brasseries, on déguste. Alors à la prochaine, prochaine émission en toute simplicité ou au prochain apéro bière fromage. Salut! T'es prêt? Et j'ai pas la fin. Servez vite parce qu'elles sont, ils sont très prisés, ces rendez-vous. C'est un peu bizarre. Hein. Oh, ça sent bon!